Salut tout le monde c'est Franck et bienvenue dans l'endroit où je passe le plus de temps, à savoir mon bureau j'ai déménagé il y a quelques mois, j'ai maintenant une pièce dédiée à mon setup, j'avais une idée en tête de ce que je voulais en faire, je m'en rapproche je pense beaucoup, il reste quelques petites choses à améliorer mais c'est vraiment du détail donc il est prêt à vous être présenté, je vous mettrai des chapitres dans la vidéo pour que vous puissiez aller directement d'une étape à l'autre, je vais vous présenter distinctement. On va faire le bureau, ce qui alimente vraiment mon setup, la déco, les accessoires, etc. etc. Ce sera assez délimité. Mais sans plus tarder, on va commencer avec le bureau en lui-même, qui est le même que l'année dernière. Mais si vous n'étiez pas là l'année dernière, voilà donc mon bureau qui est composé d'un caisson Alex. Un petit peu euh, le Ikea Hack par excellence. Un caisson Alex avec beaucoup de tiroirs, beaucoup de rangements. C'est hyper, hyper pratique pour que ça reste clean, pour pouvoir ranger et avoir à portée de main tout ce qu'on veut. Deuxième support du bureau, le tréteau. Un tréteau qui vient de chez Le Roi Merlin, euh, qui est également disponible chez Ikea, qui est aussi chez Castorama, ils font absolument tous les mêmes. Je vous mettrai un maximum de liens dans la description vers ce que je vous montre. Que ce soit mon bureau, les accessoires, la déco, je vous mettrai le plus de liens possible que je peux retrouver si jamais il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous tape à l'œil. Et pour finir par-dessus, juste poser, ni fixer, ni visser, ni rien. C'est vraiment juste poser par-dessus pour un maximum de flexibilité. Une planche de bois qui est normalement un comptoir de cuisine, il me semble, qui vient aussi de chez Leroy Merlin. Le bois est très joli, un petit peu foncé, exactement comme je voulais. La planche fait 18 mm d'épaisseur. C'est largement assez costaud pour soutenir tout ce que j'ai sur mon bureau. Vous allez voir que c'est un setup assez minimaliste. Donc vraiment, il n'y a pas grand, grand chose dessus. C'est sobre, c'est foncé, euh, c'est tout ce que j'aime, c'est clean. Enfin voilà, c'est vraiment juste posé, mais tout va très, très bien ensemble. Presque failli oublier, puisque je suis assis dessus, j'ai enfin acheté une vraie chaise de bureau. Ça a été un long calvaire de trouver cette chaise. Le confort est très important. Dans un bureau, on y passe maintenant des heures et des heures et avoir une bonne chaise de bureau est très important sauf que pour ça il faut mettre le prix évidemment et mettre le prix dans une chaise ça peut être compliqué ma chaise vient euh, d'Amazon c'est pas forcément une chaise très connue mais je voulais une chaise dans ce style que j'aime beaucoup je voulais pas du tout une chaise gamer je voulais une chaise qui fasse encore une fois minimaliste très sobre très simple je l'ai pas depuis longtemps mais jusque là elle est Très confortable, elle fait le boulot que je lui demande. Le dossier s'incline. La petite chose que je pourrais reprocher, c'est que les accoudoirs ne sont pas à hauteur réglable et du coup, ils sont un petit peu trop bas pour moi. Je ne l'ai pas payé cher, elle coûte à peine dans les 100 euros, donc je vais pas me plaindre. Je sais ce que j'achetais, je ne sais pas combien de temps elle va faire, à voir dans le temps. Peut-être qu'elle durera très longtemps, peut-être pas. Et on va pouvoir passer à la plus grosse partie, c'est-à-dire ce qui alimente. Ce setup, et c'est la même chose que l'année dernière, c'est mon MacBook Pro 15 pouces de 2018. C'est un MacBook Pro reconditionné. Si vous vous posez des questions sur le reconditionné, j'avais fait une vidéo dessus pour vous expliquer ce qui change. N'hésitez pas à aller voir. De toute façon, pareil dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vous ai fait des vidéos spécifiques. Vous les retrouverez soit en vignette, soit dans la description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez plus d'infos. Mais c'est donc un MacBook Pro 15 pouces reconditionné. C'est un Core i7, 16 Go de RAM, 500 Go de SSD. Il va très bien. Je me tâte juste dernièrement fortement à le changer pour un MacBook Pro 13 pouces M1, voire un Mac mini M1. Pour le moment, on reste là-dessus. Je fais principalement de la retouche photo et du montage vidéo et il va extrêmement bien. Pour ça, il me suffit largement, malgré que quelquefois il s'emporte un petit peu au niveau des ventilateurs, mais c'est quelque chose de connu sur le MacBook Pro. Et il est relié à un écran ultra-wide 29 pouces de chez LG, le 29WL500B. Je vous ai fait aussi une vidéo spécifique sur cet écran. C'est donc un ultra wide en full HD qui me va très très bien. Je suis tombé fan de l'ultra wide. Ce format me va extrêmement bien. J'adore vraiment. Il est relié à mon MacBook en USB-C vers HDMI. C'est donc un port HDMI derrière l'écran puisqu'il n'y a que deux ports HDMI. Mais c'est un écran vraiment abordable puisqu'il fait à peine plus de 200 euros et qui me va extrêmement bien pour tout ce que je fais. Vraiment, j'en suis vraiment toujours très satisfait. Ça me permet aussi d'avoir une sorte de setup double moniteur puisque je peux avoir l'écran de mon MacBook. En même temps que l'ultra wide, c'est hyper pratique par exemple. Quand je fais du montage vidéo, je peux avoir ma timeline sur mon écran principal et mes fichiers, mes titres, etc. etc. sur mon écran de MacBook. Quand je stream aussi par exemple sur Twitch, où vous pouvez me retrouver et aller me suivre sur Twitch aussi, je peux avoir mon jeu auquel je joue sur mon écran ultra wide et avoir mon Streamlabs avec. Mon chat et toutes mes données, toutes mes scènes et tout à côté sur un autre écran. Voilà, avoir les deux espaces de travail, ça décuple vraiment la productivité et les possibilités. Et comment parler de productivité sans parler de ma souris qui est la MX Master 3 de chez Logitech Oui, comme beaucoup de gens, j'ai cédé à l'appel de la MX Master 3 et je ne regrette absolument pas. C'est cher pour une souris. Certes, mais c'est vrai que quand on voit tout ce qu'on peut faire avec et à quel point tout est naturel et facile et à quel point on peut programmer cette souris, vraiment je regrette absolument pas. J'adore la MX Master 3, euh, je pense que ça va être dur d'utiliser autre chose que cette souris. Elle est couplée évidemment au MX Keys pour Mac de chez Logitech aussi. Genre pareil, la gamme MX Master de chez Logitech est un petit peu chère, mais ce clavier est vraiment. Très très bon aussi, pareil, je ne regrette pas du tout le fait de pouvoir switcher entre trois appareils avec une simple pression de bouton, le fait qu'il soit rétro-éclairé, qu'il soit extrêmement silencieux. Donc je ne peux que vous recommander le combo MX Master 3 et MX Keys de chez Logitech. Ça, ça n'a pas changé depuis l'année dernière et je pense que ce combo-là ne va pas changer pendant encore... Un bon moment. Ça y est, on a fait le tour de ce qui alimente mon setup. Maintenant, on va pouvoir passer aux upgrades et aux accessoires que j'ai ajoutés par rapport à l'année dernière. Je vous l'ai dit, ça reste très minimaliste, il n'y a pas grand-chose sur mon bureau. Et on va commencer avec un premier accessoire qui, au premier abord, est dit comme ça, paraît sympa. Mais sans plus, c'est un support pour mon MacBook Pro. J'ai été extrêmement agréablement surpris de l'ajout de cet accessoire qui m'a été offert par MacWay. Donc un grand merci à eux si vous ne connaissez pas, c'est un magasin un petit peu spécialisé dans les accessoires et tout ce qui concerne Apple. Ils m'ont donc offert ce stand de la marque Novodio qui est une marque propre à eux qui est extrêmement discret. Que ce soit une fois que votre Mac est posé dessus ou quand vous voulez l'enlever, il se plie, devient très fin et vous pouvez le ranger absolument n'importe où. Et donc par exemple dans un sac à dos quand vous voulez l'emmener et avoir votre MacBook un petit peu plus haut. Puisqu'une des choses qui m'embêtait le plus c'était effectivement d'avoir ce duo d'écran, mais avec mon MacBook vraiment plus bas que l'écran. De base et le fait d'avoir mon écran de MacBook un petit peu plus haut et de l'avoir donc quasiment au même niveau que mon écran externe, en termes de confort, c'est beaucoup beaucoup plus agréable. Ça tire beaucoup moins sur la nuque et quand on passe très longtemps sur l'ordinateur, ça fait une différence. Donc vraiment très discret ce stand pour mon MacBook Pro. J'en suis extrêmement content. La couleur va très bien avec mon MacBook. Il a des patins antidérapants, tout ça donc ça n'abîme pas le bois non plus. Vraiment extrêmement extrêmement satisfait. N'hésitez pas à aller voir. Le lien sera évidemment dans la description. Autre grosse nouveauté, notamment au niveau des écrans, c'est mon support pour mon écran. Exactement pour la même raison que le MacBook, à force de pencher la tête un petit peu vers le bas quand on reste très longtemps sur l'ordinateur, ça tire sur la nuque, ça tire sur le dos. J'avais vraiment envie de gagner de la place, de faire plus minimaliste et surtout d'avoir mon écran encore plus haut. J'ai donc opté pour un support d'écran de chez Amazon Basics qui coûte 30 euros, qui est un des meilleurs bons plans possibles, honnêtement. J'ai fait une vidéo dédiée carrément sur ce support d'écran tellement euh, le rapport qualité-prix est absolument génial. Ça donne un style absolument génial, je trouve, sur mon bureau. Ça me libère aussi énormément de place d'enlever le pied de base et de gagner tout cet espace sous l'écran. On peut l'avancer, on peut le tirer, le reculer, le tourner dans tous les sens. Bref, si vous voulez plus d'infos, allez voir la vidéo. Mais vraiment, c'est une très très bonne addition si vous avez un petit bureau, un petit espace que vous voulez en gagner, un support d'écran vous permettra de gagner en confort et vraiment en espace. Nouvel ajout sur mon bureau qui date d'il y a très peu de temps, c'est mon chargeur vertical Anker. Je voulais absolument un chargeur vertical pour la simple et unique raison que je possède un iPhone qui a Face ID. Que quand vous avez un chargeur sans fil sur votre bureau qui est... À plat si vous voulez utiliser votre téléphone ou juste regarder euh, vos notifications, vous devez absolument prendre le téléphone pour le déverrouiller et le reposer. Je voulais un chargeur vertical pour pouvoir le déverrouiller et aller dessus, pouvoir naviguer sur mon téléphone sans avoir à l'enlever du chargeur et la mission est complètement remplie, c'est un chargeur qui charge à 7 W,5 je crois pour les iPhones et c'est un petit peu plus pour Android. C'est pas énorme mais ça me suffit puisque de toute façon je le mets en début quand j'arrive sur mon bureau, je l'enlève quand je repars. Au pire des cas ça me donne un petit peu plus de jus que ce que j'avais avant de le poser dessus. Et vraiment, il remplit juste parfaitement cette fonction-là. C'est tout ce que je lui demandais. On va parler maintenant de mon micro, qui est le FineFine Fine K690. C'est un micro USB. et est considéré un petit peu comme le successeur du Blue Yeti. J'en suis pareil, extrêmement satisfait. Vous avez une vidéo dédiée spécifiquement au micro. Je ne vais pas faire une review ici. Mais c'est un très bon micro, encore une fois, qui s'adapte extrêmement bien sur mon bureau. Il a un design très sobre, noir, qui va évidemment avec le reste. La qualité des matériaux est absolument... Génial, c'est du métal donc ça fait pas du tout cheap. Je pense peut-être à mettre un bras pour mon micro. N'hésitez pas à me dire, vous dans les commentaires, si vous en avez un, ce que vous en pensez, ou si, vu mon setup, euh, ce que vous voyez actuellement, est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne addition ou pas. En attendant, il reste sur son petit pied et dans un coin. Je le déplace quand je m'en sers. Dernier changement aussi sur ce bureau en termes d'accessoires, c'est le remplacement de mon Google Home Mini par un HomePod Mini que j'ai eu à mon anniversaire. Je voulais un HomePod Mini. Pour plusieurs raisons la review dédiée au homepod mini arrive très bientôt donc abonnez-vous si jamais vous voulez pas la louper mais concrètement je voulais un homepod mini notamment parce que tout simplement l'écosystème apple je peux envoyer des messages passer et recevoir mes appels sur le homepod ce que je ne peux pas faire avec un google home mini puisque j'ai un iphone j'écoute évidemment très souvent de la musique quand je suis à mon bureau donc je voulais quand même une enceinte et pouvoir transférer la musique ou un podcast ou quoi que ce soit que j'écoute sur mon iPhone sur mon HomePod juste en le tapant sur le dessus. Voilà. Encore une fois, c'est tout l'écosystème. Si vous êtes nouveau, j'adore les produits Apple, donc évidemment pour moi ça marche mieux d'avoir un HomePod Mini qu'un Google Home Mini dans mon bureau. Et le fait d'avoir un petit accent blanc sur le bureau le fait aussi ressortir un petit peu. Je le trouve plus joli, plus esthétique qu'un Google Home Mini. J'en suis ravi, mais la review spécifique arrive bientôt. Et enfin, pour finir, elle est un petit peu cachée, mais elle est là, fidèle au poste depuis maintenant presque 8 ans. Ma Xbox One, première du nom, première génération, est toujours là. Elle est posée en bas, sur le tréteau, invisible, on ne la voit pas, mais elle est bien là et elle tourne très, très, très souvent. Je viens jouer très souvent. Pareil, évidemment, j'aimerais bien upgrader dans les mois à venir et passer sur la Xbox Series X, puisque je suis Team Xbox. Team Xbox, dans les commentaires, manifestez-vous. Ma Xbox est toujours là, donc mon bureau, c'est aussi et surtout un endroit où je peux venir me détendre et venir passer de longues heures sur Warzone, notamment, par exemple. Et comme je vous l'ai dit, je voulais en faire un endroit où je me sens bien. Et pour que je me sente bien, il fallait que je puisse venir m'y détendre. Et passer quelques heures de jeu sur ma Xbox. Et enfin, dernière partie de cette vidéo, on va passer à la déco. On ne parle pas uniquement de mon setup, je vais parler de ma pièce bureau en général. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'en avais une idée assez précise de ce que je voulais et je pense avoir réussi. Je voulais que ce soit presque un deuxième salon. Que quand on veut faire une pause un petit peu du travail, sortir de l'ordi pour se détendre 5 minutes, vraiment faire une petite pause, il y ait un endroit. Pour ça, dans le bureau, et que ce soit pas juste un endroit de travail, c'est pour ça qu'on a un canapé. C'est un canapé qui fait aussi lit, puisque le bureau peut servir du coup de chambre d'amis quand les gens viennent, c'est extrêmement bien. C'est un canapé de chez IKEA qui est, ma foi, très confortable. C'est vraiment pas facile de trouver des canapés-lits beaux et confortables, et IKEA l'a fait, <laughs> écoutez. Il est vraiment très très cool. Je l'ai même testé pour dormir. Il est vraiment très bien. Il est très grand. Esthétiquement, il est vraiment très joli. Donc voilà, avoir un canapé pour faire sa petite pause, pour boire son café, boire son thé, pour juste s'allonger, regarder son téléphone 5 minutes. Voilà, vraiment faire un break, avoir un endroit où on peut s'asseoir en dehors du bureau. Ça fait vraiment du bien. Et pour affirmer un petit peu. Le caractère de la pièce pour disposer un petit peu tout ce que j'aime et montrer un petit peu ma personnalité. Il y a aussi la bibliothèque avec des photos que j'ai faites, que j'ai imprimées. On a évidemment des BD, on a évidemment des pop, on a bien sûr des produits Apple. Bref, on a une touche de déco qui me correspond, porter une petite vue sur ce que j'aime, sur ma personnalité qui est complétée aussi avec l'étagère qui est accrochée au mur ou pareil, on retrouve le même genre de petits détails sur moi avec. La boîte du HomePod Mini avec des pop, avec voilà ce genre de choses. Comment parler de déco sans parler de lumière Pour finir, on a évidemment des Philips Hue, une au plafond et une Philips Hue Bloom, une première version qui va être upgradée, je pense aussi dans les prochains mois, sur une Philips Hue Go. Mais pour le moment, elle est là. Ces deux lampes me permettent de mettre de la couleur et de créer des atmosphères vraiment propres, par exemple à quand je stream, à quand je vais aller jouer, pouvoir créer une ambiance zen si je veux lire. Bref, on peut faire vraiment tout et n'importe quoi avec les Philips Hue. C'est quelque chose que j'adore et que j'ai en plusieurs exemplaires chez moi. J'ai aussi une petite lampe industrielle qui vient compléter et finir le bureau aussi. J'ai mis une ampoule à filament à l'intérieur qui fait une lumière très orange, très douce, très chaleureuse. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'en suis extrêmement fan de mon bureau. Je pense que j'ai approché vraiment ce que je voulais, mon dream setup. Donc, pas forcément en termes d'écran, de puissance d'ordinateur, de, ce genre de choses mais en termes d'ambiance dans laquelle je veux travailler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aussi peut-être donné des idées, donné de l'inspiration pour faire votre propre bureau, votre propre setup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois, plein de produits seront dans la description, n'hésitez pas à aller voir si vous les cherchez. N'hésite pas aussi à t'abonner avant de partir. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous comme d'habitude, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut